Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sûrement sur le dernier épisode de Outlast en compagnie de Sharker et de Zek. Mon ami Zek, oui, il reste fidèle jusqu'à la fin de la série. Donc je pense que ce sera le dernier épisode parce qu'on approche de la fin de l'histoire. Enfin, on va bien voir de toute manière. J'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, c'est parti. On est parti donc. Donc on s'en était arrêté au cinéma. Je devais trouver une clé dans le cinéma là me permettant de rejoindre le père Martin. Ça commence bien. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Ah, il projette un film. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery. Plus que bizarre, c'est vrai. Oui, bon, j'ai pas passé mon temps à regarder les films, moi. On est là pour finir le jeu. Salut. Il y en a un qui va se lever parmi tout ça, j'en suis sûr. Y a pas une pipile? Non. Par contre, là, ça pue, là. J'ai peur. Il y a un mec dans les casiers déjà. Un pipi, là, il y a un dossier. Il y a un mec derrière moi. Pense à te laver les mains. Ok. C'est vrai, putain, je démissionne. Bactéries mangeuses de chair. Super. Fermé. On va monter les escaliers. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Si, je crois qu'il y a un mec qui a lancé le film. Ça pue! Bah, de toute façon, on arrive au film là. Y'a personne. Ouais, mais y'a une pipi là. C'est parti! Ah! Ouvre la porte! C'est ouvert devant. Donc faut ressortir. Oh putain. Il est là. Gué. Ah ouais. Ça commence à me faire peur là. Pourquoi le père Martin il me rejoint pas et on y va ensemble? Ça pue là, ça pue. Ah! Je fais comment là? Ouf. Toute la caméra était tombée. Donc ça doit être ici. Ah, voilà. Clé d'accès. Trouver le père Martin au niveau 3. Donc je sors d'ici. Si tu veux. Ça va crier, je vous préviens. Ça va crier. J'ai peur. Là je pouvais pas passer là. Non. Non, faut revenir en chemin arrière. Putain. Ah, c'est. Ça va sortir là. Hey, Gégé. Oh. Oh putain.
entendu le bruit là, je suis pas fou. Le gros. Non, il va pas me lâcher lui. Aïe, ça pue! On se casse. Niveau 3. Oula, 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 oula. Salut! Si, il ressemble un peu à un trog dans Warcraft. Oula là. Bah non. Tout est fermé quoi. L'ascenseur peut-être. J'aime bien les cuisines parce qu'au moins on y voit là. On a le temps. Ouais déjà faut passer par en haut apparemment. Pourquoi il y a des bruits de... Oulala. C'est la messe. On dirait, il y a de l'orgue, pardon. On ferme. On fouille d'abord la pièce. Salut. Ok. Il doit te sauter dessus. Putain, on peut passer nulle part à part. T'as la caméra qui bug. Bon bah on sort alors. Je fais que courir, moi je ne marche plus, c'est fini. Droite, gauche. Non, je vais pas là. Remarque. On regarde la télé. Bonjour. On regarde la télé. Une pipile qui traîne par là. Non, ça va, il y a des mecs un peu partout, mais ils m'attaquent pas. M'attaque pas, hein. Fais ta prière tranquille, hein. Mais reste là. Non, c'est bon. J'ai bien lâché des petits cris, ça me... Faites votre prière, les mecs. Tranquillou. Aucune des portes, je vais tout droit. Oh, c'est quoi ça? Je peux pas passer du coup. En fait, faut ouvrir des portes, ce que j'aime pas faire. Ça va crier. Lag! Dossier. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Wallrider, que mon apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu, ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière, écrivez votre évangile dans ma chair. Oula. Faites votre prière, hein. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Au moins tu sais écrire. Toujours ça te prie. Ok, ok. J'ai d'or? Sûrement. Ah, faut que j'aille là. Voilà. Il va me sauter dessus, lui là. Il va me sauter dessus, c'est con. Mais je sais pas si ce sera le dernier épisode, parce que. On va voir. L'avant-dernier. Oulala. Je déteste la maladie. Bon. Je déteste l'argent. Attends, là-bas il y a une entrée, je crois. Il y avait un mec qui a bougé.
chapelle. Ah ouais. Dieu. Trouve. Dieu vous donne toujours un chemin. Ouais. Oula, tiens, regarde les deux. Avec les couilles à l'air. C'était eux qui voulaient me tuer en plus. Ah, Père Martin, enfin on te retrouve dans un état un petit peu bizarre. My job. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always ouais. freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. J'ai filmé. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. J'ai réparé l'ascenseur, ouais. Now, my son. Ouais, ok. Attends, mais je vois Père Martin. Oh, bah d'accord. Oh là là. Il brûle. Vous êtes complètement malade, mon pauvre gars. Là, moi, c'est gueule. Putain, elle a cramé. C'était mon seul copain. Maintenant, je fais quoi là? J'ai plus de copains. Merci. Vous allez pas me tuer, vous, j'espère maintenant. Vous restez dans votre merde. Hein. Ciao, Père Martin. On se reverra dans un autre monde. J'espère que ce sera pas l'enfer. Parce que là, j'en sors. Ah, il est en train de noter quelque chose. Comment on fait déjà pour accéder à la note? Je me souviens plus comment. Ah oui. Note. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Bah, c'est le meilleur truc qui reste à faire, hein, de toute façon. Je passe par où, là? Là? Parce qu'il faut que je prenne l'ascenseur est là. C'est de l'autre côté, ouais. Restez ici et faites vos trucs. Comme ça? Ah ouais. Exact. Oula. Les égouts. Les canalisations. Bouche d'aération, pardon. Conduit d'aération. Ça sent le gros là encore. Et voilà, vous savez. Putain de gros lard. À gauche, fallait aller. Oh là là, il est rapide. Il est rapide. Ah, ah putain.
C'est fermé! Il est là! C'est le polar. Y'a pas de trappe, y'a rien. A l'aide! On appelle les handdecks. C'est fermé! Ah! Je sais pas où aller, bordel. Il doit y avoir une porte. Où la porte? Ce sera pas le dernier épisode, je crois. Il a cassé notre porte. Il doit y avoir une porte. Parmi une des portes, c'est là que je dois m'enfuir. Je suis sûr. Conduit d'aération encore. Il va péter toutes les portes, il va se barrer. Bon, c'est pas là. Hop là. Ciao. C'est pas là. C'est pas là. Ah merde. Oh putain. Il est plus rapide, il tape en deux coups là. En deux coups, il me kill. Je sais pas quelle porte c'est, bordel. Il nous pif. Ah putain! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Oh putain! Ah oh. J'ai pas de l'air! Faut ressortir par dehors, je crois. Ah! Là! Là! Vas-y! Oui! Permanent quoi. Ouh. Désolé d'avoir crié comme ça, mais j'étais tellement stressé. Allez, c'est fini, on se casse. Ciao. Merci, Père Martyr. Ça y est, l'entrée, elle est là. Ouh. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Oh, enculé. Je m'y attendais de toute façon. Putain, c'est pas vrai. On va jamais s'en sortir. Mais où est-ce qu'ils vont m'amener là? C'est tout en bas maintenant. Ah bah j'ai crié, hein, c'est sûr. Ah ouais, d'accord. On est dans le sous-sol quoi. Vraiment dans le profond, profond sous-sol. Oula. Défonce la porte. Oula. C'est un peu là. Frankenstein, le promoteur moderne de Marie Shelley, publié anonymement. Nanana. Monsieur, m'écriai-je, en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant. Assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furieux et troublé, je me séparai du magistrat et me retirai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Ouais. Ok. Oula. Oulala, là là. On arrive au fin fond du gore là. Ouais, bah ici ça pue le. Ça pue la mort. Comme toujours. Oula oula. Même la caméra elle en peut plus de toute façon. Oh la fermasse. J'aurais bien aimé la voir, mais. Tant pis. Il me retrouve toujours ce gros lard, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être les labos ou je sais pas quoi ici. On approche sûrement du programme là. Morphogénique, je sais pas quoi. C'est propre, n'empêche. À part ça. Oula.
Alors, bout de d'intestin, de poumon, de cœur, de foie. On a un peu de tout là. Ce qui est bien, c'est que je peux tout ouvrir. Dossier. Ma 14e autopsie d'un patient Wall Rider. Il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine. Mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé, je doute de mon jugement, je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure de sperme. Et je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise, alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Ouais. Un mec qui a voulu demander des congés, je pense qu'il les a eus. Mais pour l'éternité. Putain, mais qui c'est qui fait ça, quoi? C'est ignoble. Oh, 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 oh. Ouais. Question d'habitude, je refais toujours à moi. C'est angoissant, quand même. C'est propre, mais c'est angoissant. Vous pouvez pas me ramener chez moi tranquille. Bon. Oh, la sortie. Putain. Allez. C'est juste là, putain. Je peux te la porte, hein. Je peux te la porte. Qu'est-ce que c'est encore ici? Quoi, Wall Rider? Non. Morphogénique en vie. Il est en train d'écrire un truc. Note. Voilà le moteur morphogénique, quelques formules de maths en algorithme. Il nous reprogramme, il fait de nous des usines à cauchemars. Quelques nombres sur un tableau, comme me donne une scie et quelques heures en tête à tête avec le cadavre de Rurnik. J'ai un ou deux trucs à lui faire payer. Bon, lui devient complètement sanguinaire, Miles, il devient complètement taré. Ça se comprend. Ça se comprend. Pardon. Bon. C'est parti. Je n'ai aucune idée de où il faut aller. Là, c'est complètement mort. Ouais. C'est parti. Quoi, qui sert? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est là, il est là! Il est là! Cours! Ah! Putain! Cours! Allez, 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 allez! Je sonnais. Ouais, je me barre. Allez, on se casse. On se casse. Oh merde, putain. Ça y est, ben là, je suis mort. Hein. Allez, je vais passer vite. Oh oui. Oh, il se fait déchirer. Oh, déchire-le, déchire-le, tue-le, tue-le. Tue-le. Tue-le, oui, tue-le. Allez, tue-le, détruis-le. Oula, ça a pissé sa bande. Oula, déchiré. Bon, plus de trigger, plus de Chris Walker. On est tranquille. Plus de petits cochons, plus de fous. C'est terminé. Ouais. C'est ouvert, là. Qui est? Je n'ai pas eu cette chance, je suis plus vieux que le péché et pourtant je suis le dernier. Je suis ce connard. Oh, la tronche. Murkoff discovered in my research a work
factories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind. Moi, on raconte pas ta vie. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Bla 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 bla. Have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. De créer un certain Billy. Pour arrêter le Wall Rider. Morphogenie. Engine. Bon les amis, on va se quitter là. Donc le prochain épisode, ce sera le dernier où il faut tuer Billy et en finir avec le Wall Rider. Je laisse un petit peu le suspense. J'espère que cet épisode vous a plu, pardon. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, vous abonner pour voir les nouveautés. Et donner un petit coup d'œil sur la chaîne quoi. Allez, salut à tous, ciao.